Bonsoir François Saint-Père. Il y a 3 ans, vous avez écrit « Aimer plusieurs hommes ». Il n'est jamais trop tard pour aimer plusieurs hommes. C'est votre cas. Vous allez nous raconter ça et vous le vivez apparemment très bien. Oui, c'est pas du tout une maladie. Vous, vous dites, mon mari est dans ma vie depuis 33 ans, mon premier amant depuis 28 ans, 2 autres depuis 22 ans et le dernier depuis 1 an. Ben oui, de toute façon, et puis bon, on ne raconte pas tout ce qui peut arriver, mais ouais, je crois ça que surtout... Trop de pages. Non, mais je crois surtout que si on parle de trahison, d'infidélité, de mensonge, c'est comme ça que les 3/4 des gens le voient. Oui. Alors que si vous pensez qu'il est logique d'aimer plusieurs personnes, j'aimerais simplement qu'on me dise pourquoi serait-il mieux d'aimer une seule personne que plusieurs. Alors là-dessus, elle donne la réponse. Je ne suis pas en train de dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. Il y a beaucoup de questions. François, ça ne se voit pas tous en même temps.